Est-ce que les petits obus font beaucoup de dégâts? Donc la taille de l'obus est naturellement fonction de l'importance des dégâts que l'on peut avoir. Donc plus l'obus est gros, naturellement, plus les dégâts sont importants. Mais un petit obus, généralement, fait lui aussi, comment dire, un certain nombre de dégâts par rapport, on va dire, à l'objectif que l'on va donc lui définir. Les petits obus sont généralement, comment dire, apportés au plus près de la ligne de front par les personnels d'infanterie. Un petit obus de 37, par exemple, fait un petit peu l'effet dévastateur d'une grenade à main. Par contre, on a le côté de la profondeur, on peut tirer naturellement beaucoup plus loin avec cet obus que de lancer une grenade. Mais l'effet est à peu près, on va dire, similaire. Hein, on projette quelques dizaines ou quelques centaines d'éclats malgré la petite taille de l'obus, on va dire, sur les quelques mètres qui se trouvent aux alentours du point de chute.